Hi. Hi, I'm Lucy. I'm Peter. We're at the gun sales photo shoot for the 2020 collection. We're having such a good time. Yeah! Stuck. Ah, hell yeah! Hey, don't bend it any further. My fingers are going any further. Au Portugal pour l'avant-dernière journée de shooting pour les Voile Gun Sales 2020. Ça a été une semaine assez intensive, on a eu beaucoup de vent et malgré tout ça a été encore une fois une super expérience. Aujourd'hui en fait on a quasiment fini en ce qui concerne les voiles, donc aujourd'hui ça va être plutôt axé sur des petits détails, du matos, les casques, les gilets d'impact, tout ça. Ça va être assez tranquille, normalement on devrait aller luncher ou prendre un goûter ou je ne sais pas à l'hôtel là que vous avez vu dans les roches d'avant, parce qu'en fait le club est situé juste sous cet hôtel là et ça fait quelques jours qu'il nous fait de l'œil, donc Joël qui gère le club, qui nous a super bien accueillis, nous a proposé d'aller là-bas, donc on risque d'aller là-bas aujourd'hui. Alors je ne sais pas si, quand ce sera, de toute façon je vous montrerai ça. Et puis voilà, une dernière journée, on va commencer à ranger tranquille. On a aussi un petit problème de logistique parce qu'en fait on n'a que deux voitures puisque Philippe est parti avec le van. Et on n'a que deux voitures, on est six avec six board bags, des voiles, des mâts, des riches. Donc voilà. Et puis oui, hier on s'est quitté un peu brutalement parce que j'ai eu une fin de journée de merde, hein, clairement. Parce que ici le problème avec le vent fort comme ça, bah, en fait c'est que les portes claquent et en voulant ranger... La nourriture, la food, j'allais dire, vous voyez, une semaine à parler anglais, ça y est, je sais plus parler français. J'ai voulu ranger donc la nourriture sur le côté de la voiture et en fait on était plusieurs au même endroit, je pensais qu'il y en avait un qui tenait la porte. Et puis je sais pas, en repartant, j'ai dû laisser traîner ma main et clac. Donc ça m'a un peu écrasé le doigt, celui-là, désolé, je vous fais un fuck, mais c'est pas pour vous. Voilà, donc c'est assez douloureux encore aujourd'hui. Mais bon, ça passera. Et puis suite à ça, en arrivant à la maison, justement en voulant sortir je ne sais quoi de la porte de côté, j'ai ouvert la porte, j'ai sorti ce qu'il fallait. Et en fait, je me suis penchée parce que je voulais ramasser un t-shirt. Et en fait, la porte du réservoir d'essence s'est ouverte, que je n'avais pas vu. Donc je me suis penchée et je me suis pris la porte du réservoir dans la tête. Donc autant vous dire que l'outro d'hier... elle m'est passée carrément là, quoi. Voilà, clairement, hein, hier, ça a été entre le doigt et la tête, et j'ai encore mal. Hein. Je pense qu'il y a moyen que j'ai un bleu. Enfin, c'est la vie. Hein. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez des fois que je peux n'avoir pas de chance du tout. Allez, à plus tard, ciao! Portugal, un petit tour en burner 4-7 avec la grosse planche, c'était assez marrant. Ensuite là on va shooter quelques trucs de lifestyle et puis je crois que ce sera la fin. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. De toute façon normalement on se retrouve demain pour la fin de ces épisodes au Portugal. I'm drinking a passion care. Passion cheers. Care. Cheers.
Steven, you're dead. I'm waiting for massage. Massage. Journée terminée, j'espère que ça vous a plu. Moi je me suis régalée. Franchement, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleure dernière journée. Il y en a certains qui partent très tôt demain, donc ça commence à ranger. Moi, je vais aller me poser un peu. Ranger, ce sera demain matin. La douche, ce sera demain matin. Et puis, demain, dernière journée. À demain!